Départ de la Destrier Junior Cup, course de haie. Alors qu'on sait tout de suite, on part du commandement sur le premier obstacle avec Orlieton, Molinette, Scarpe, Provence, Pagirensis, Arthurus, vient en seconde de position. Juste devant Isertan, Chita, Diablatin, Dobré, là également. Orlieton, Martina n'est pas loin. Rosdel, Pacili, Kazak, de Mme Cypré, là également. Juste devant, par contre, la Malice. Rosdel, Pacili est à l'arrière-garde du peloton. On ferme la marche avec Pronelog et Korn. Les concurrents sont dans la ligne opposée. D'ailleurs, face sélective avec Molinette qui a l'avantage. Yannick Arthurus qui a fait une petite faute, mais qui est toujours en seconde position. On est en troisième position avec Isertan Chita. On est là également avec Diablotin Debris. On retrouve une cassure pour retrouver Orlieton, Martina, Kazakh Saint-Voir, juste devant Rosdel Blackbilly qui est là également. Martin de la Malice. Et là, alors qu'on tente de se rapprocher avec Isertan Pandora et Bronelog Corm qui ferme toujours la marche du peloton. Les concurrents passent une nouvelle fois devant les tribunes avec Winning Bells qui n'attend personne et qui déroule en fait devant Isertan Chita. Yannick Arthurus est là également. Diablotin Debris. Orlieton, Martina, on est là avec Barton de la Malice, avec Rosdel Dagili, juste devant Isertan Pandora et Bronelog Korn qui ferme la marche du peloton. Les concurrents qui sont dans les lignes opposées et on part très vite en tête avec Wedding Bells qui ne supporte pas de la course mais qui a toujours l'avantage d'Isertan Pandora en seconde position, bien calé dans son dos, 2-3 longueurs plus loin vient Diablotin de Brille, Renfis Arcturus qui marque sévèrement le pas. On est plus loin avec Orlieton Martina, avec Rosdel Dagili, avec également Barton de la Malice. On tente de très bien terminer avec Isertan Pandora et Bronelog Korn ferme toujours la marche du peloton, de même qu'Orlieton Prudence. Les concurrents sont à l'entrée de la dernière ligne droite dans quelques instants. Avec Wedding Bells qui a toujours l'avantage alors qu'en seconde position vient maintenant le numéro 11, Isertan Chita. On est là avec le bruit qui est en troisième position. On est nettement plus loin avec Yerenfis Arthurus, avec Orlieton Martina, Barton de la Malice, avec Isertan Pandora, Orlieton Prudence et Bronelog Korn. Ils ont fait la différence, les premiers dans les lignes opposées. Et c'est toujours Wedding Bells qui montre le chemin et qui a largement l'avantage. Maintenant avec également Isertan Chita qui tente de venir à ses côtés. Diablotin Debris est troisième, les autres sont plus loin à l'image d'Orlieton Martina, de Barcon de la Malice ou encore d'Isertan Pandora, Kazakh Vert. Les concurrents qui sont dans le tournoi final avec Wedding Bells qui a toujours l'avantage. Alors on va tenter de venir l'attaquer et de placer sa pointe de vitesse avec Isertan Pandora. Orlieton Wedding Bells s'impose pour la plus tendre de la partie à Dupra et pour les places du numéro 9, Isertan Pandora. Le dernier candidat passe à cet instant, la ligne droite, victoire de Orlieton Wedding Bells.